Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce bon. Si vous n'êtes pas abonné en dessous, s'il vous plaît, abonnez. Abonnez-vous tous, activez la cloche et partagez cette vidéo au maximum pour aider les gens. C'est que nous venons d'entendre. Nous sommes même en train d'entendre. C'est même pas encore fini. Même après cette vidéo, ce que vous allez voir, ça va même vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné sur nos trois chaînes, cliquez sur ce balai, ce n'est pas d'accord. Abonnez-vous sur nos trois chaînes et soyez maintenant prêts. Tout ce qu'on va vous dire ici, vous devez absolument vérifier toutes ces choses. Ce sont des informations, ce sont des choses qu'il faut. Le buzz en ce moment, c'est Internet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chez nous, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais une chose est sûre, voici ce qui s'est passé. Le 11 août dernier, nous avons perdu quelqu'un par accident. C'était cette star, une star du pays a eu un accident. Et déjà, le 12, on a annoncé sa disparition. On nous a dit qu'elle a rendu l'âme et tout ce que vous connaissez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne peux vous dire si c'est vrai ou c'est faux parce que même en ce moment, je suis de vous parler, il y a un problème. Certains disent que c'est le corps qui était là, c'est pas son corps, tout ça. Moi, franchement, je ne comprends pas. Je suis juste un observateur et j'observe et vous raconte tout ce que nous sommes en train de voir. Vous savez que pendant que cette star-là se trouvait à la morgue, quelque chose s'est produit. Est-ce que vous êtes au courant? Nous allons vous dire. Voici ce qui s'est passé. À un moment donné, un pasteur s'est levé. Un pasteur venu de nulle part. Il s'est levé. On ne le connaît même pas. On n'a jamais vu. Ce n'est pas un pasteur superstar. Il arrive juste là, comme ça. Et tout à coup, il nous dit que Dieu l'envoie. Là, Dieu l'a envoyé pour venir ressusciter cette star. Ah! Mes frères et sœurs. Tous ses fans étaient chauds, tout le monde était chaud, sauf ses parents apparemment et d'autres personnes. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est ce que le pasteur a bien évidemment dit. Parce que finalement, il n'a pas reçu l'autorisation d'avoir accès au corps pour qu'on puisse juste prier, pour qu'il puisse juste prier sur le corps. Malgré toutes les menaces qu'il a reçues, il était prêt à aller jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas laissé l'autorisation de prier. C'est à ce moment-là que les théories conspirationnistes ont commencé. Ça veut dire quoi? C'est là que les gens ont commencé à voir quelque chose de vraiment mystérieux derrière la disparition de ces stars. Les gens se disaient qu'il y a un truc que personne ne veut nous faire savoir. En fait, c'est un truc qu'on nous cache. Et c'est là que les gens ont commencé à parler. Même du doute a commencé à se créer dans la tête des gens. Les gens écoutaient. Ils écoutaient ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'ils s'agitaient en même temps, mais ils voulaient juste savoir la vérité et certains détails. Et personne ne venait pour démentir ces rumeurs. Ça veut dire que quand on ne veut pas pour démentir les rumeurs, à un moment donné, on pense que c'est vrai. Et c'est ce que les gens pensaient, vu le cas de ce pasteur qui était venu pour prier. Pendant que nous étions tranquillement en train de se poser même la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ont refusé que cette star-là réveille cette personne qui est décédée là? Pendant qu'on pensait à cette affaire de ce pasteur-là, qui a été empêché de prier même sur cette star, voici que nous allons encore recevoir d'autres informations venant d'un féticheur qui s'est caché dans l'ombre. Il a dit que avant, c'est-à-dire un jour avant l'accident de cette star, trois personnes sont venues le voir. Pour que lui puisse provoquer l'accident. Est-ce qu'il cherche le buzz? C'est à vous de voir. Mais c'est ce qu'il a dit que nous vous racontons. Juste nous vous racontons ce qui s'est passé. Écoutez très bien, analysez vous-même. Il dit trois personnes sont venues le voir pour que lui puisse juste provoquer l'accident. Ah! Et il avait pour mission de provoquer un accident. Et cet accident-là allait faire en sorte que cette star-là n'arrive plus à chanter ni à marcher. Mais pas tuer cette star. Et lui ne savait pas. Selon ses dires, il dit que lui, il ne savait pas que cette personne était si connue. Et lui, il a fait. Et puis, ça a arrivé. Que maintenant que ça a arrivé, qu'il voit les photos de cette star-là passée par là, lui veut maintenant dénoncer toutes les personnes qui sont venues le voir pour qu'il fasse ce travail-là. Ah! Qu'est-ce qu'il va gagner à dénoncer les personnes qui sont venues le voir? Il a dit trois personnes.
Oh, dans cette star-là, des hommes vivants, elle avait des ennemis, des gens avec qui elle n'était pas au bon point. Et tout de suite, les gens ont commencé à réfléchir, chercher à savoir, mais qui sont ces personnes-là? Et déjà, quelles sont ces personnes hautement placées qui ont empêché qu'on puisse vouloir la résurrection de cette star? Problème. Et les gens sont en train de se poser des questions. Les gens se posent des questions de ça, mais qu'est-ce que sont ces gens-là? Quels sont même ces gens-là? Vous savez, face à une telle situation, les gens vont commencer à chercher les boucles mystères. Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Déjà, après mûre réflexion, les gens finalement concluent dans leur tête que l'une des personnes responsables de la disparition, c'est ça. C'est aussi l'une des personnes contre qui était vraiment en conflit. Et cette personne-là était aussi à la tête de leur showbiz. À la tête de leur showbiz, c'est l'une des personnes, la précurseur de leur genre musical. Et pour eux, ce gars, c'est un sorcier. Ah! Un sorcier, il opère la nuit. Vous ne pouvez pas l'attraper facilement comme ça, avec juste pour dire, voici des preuves, je t'ai attrapé, tu es un sorcier. Donc, ce sera toujours des spéculations. Je ne vois pas de preuves, ce sera juste des dire. Les gens vont parler, ah, ils vont dire, ah, c'était lui, c'était comme ceci, mais il n'y a pas de preuves. Ce qui est sûr, c'est que ce problème, cet homme était aussi lié à un autre problème relatif à une star qui a même crié les coupés décalés, qui a même crié ça. On dit que c'est lui qui a lancé un sort à ce dernier pour que ce dernier puisse mourir. Selon les dits même des proches à cette autre star professeur de le genre là qui est parti déjà très longtemps. Du genre, cette personne a dit que ce dernier est arrivé d'un endroit juste pour manger. C'est-à-dire, c'est la personne qui est accusée de sorcellerie là. Du genre, comme cette personne a invité le leader là à manger quelque part. Et depuis que cet homme a fini de manger là-bas là, sa vie n'a plus la même. Et celle-là, elle a commencé à tomber malade. Et finalement, on l'accuse de sida. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Donc les gens sont en train de réfléchir, ils se disent, ah! Et c'est même pas même le gars même qui est à la base de la disparition de la procureur, le procureur d'un mouvement. En même temps, est-ce que ce n'est pas la même personne qui est à la base de la disparition de cette star? Question qui soit l'objet de buzz depuis. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore rassurés hein, sur le fait que cette star soit réellement partie. Ou bien si pour eux, cette star est partie, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui était de tuer les gens comme ça en secret ou bien mystiquement doit vraiment être attrapée pour éviter d'autres morts. Ah! Peut-être que les gens sont en train de discuter sur le sujet. Voici un autre problème qui va maintenant venir. Vous savez, il y a une autre personne contre qui cette star là aussi n'était pas en bon point. Et c'était même son ex. Elle pour elle, le samedi dernier, selon l'information qu'on a reçue, hein, le samedi dernier, alors qu'elle allait vaquer à ses occupations, voici qu'elle va elle aussi avoir un accident grave. Un accident vraiment grave. C'est même sa voiture me sera endommagée. Elle dit Dieu merci, je suis en vie. Kevin Hart aux États-Unis a eu un accident de voiture. Elle aussi, elle vient d'avoir un accident de voiture. Pourquoi tant d'accidents comme ça frappent les fans, les stars, les personnes connues? Pourquoi tant d'accidents sont en train de même frapper même les personnes connues? Est-ce que vous-même vous posez même la question, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vous savez que Kevin Hart aux États-Unis, il est même à l'hôpital, il doit faire une rééducation afin de pouvoir se remettre de ses blessures parce qu'il a eu des fractures au dos. Il doit apprendre à marcher, ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voici encore, elle vient d'avoir aussi un accident. Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est du fake? Qui sait?
mais sur l'information qui paraît sur les réseaux sociaux. Ah, vérifiez ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour faire le buzz. Mais si c'est vrai et qu'elle a réellement eu un accident, c'est qu'il y a un truc de vraiment grave qui se passe en dessous. Hein. C'est pas parce que vous êtes célèbre, vous êtes star, que les gens ne peuvent pas chercher à porter atteinte à votre vie. Vous savez que quand vous êtes connu, votre étoile brille. Quand ton étoile brille, là, tu es connu, tu as l'argent, qui devient automatiquement la cible des mystiques. Tu as connu, nous allons vous dire, vous devenez la cible des mystiques. Vous savez, par exemple, si vous créez une chaîne YouTube, ou bien un compte, une page Facebook, et que vous avez un abonné, les gens ne voient pas en vous une menace. Ou ne voient pas en vous quelque chose d'important. Mais attendez, commencez à avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 100 000 abonnés. Déjà même à 30 000 abonnés déjà là, il y a des gens qui commencent à vous voir comme une menace. Comment ils vont faire pour vous plier, vous faire fléchir genoux, bien vous détruire, c'est ce qui intéresse les gens. Ce qui a été passé maintenant, c'est maintenant grave. Elle a eu un accident. Quelque temps après l'enterrement de son ex. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et pendant que nous essayons de régler les problèmes, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour encore envoyer des informations selon laquelle cette stèle est vivante quelque part, elle est quelque part en France et elle se fait passer pour quelqu'un qui est décédé. Ah! Son danseur, l'un de ses danseurs a dit, mais cette stèle-là, elle ne peut pas jouer avec sa disparition comme ça. Elle joue, c'est vrai qu'elle joue à l'habitude de faire le buzz, mais cette fois non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de buzz dans ça. Elle est vraiment, il n'y a pas de buzz. Donc elle est censée en train de nous dire que c'était vraiment parti. Mais peut-être que nous sommes en train de causer, parler, chercher à savoir même pourquoi les gens sont en train de chercher à dire des choses comme ceci et comme cela. Voici un homme qui va venir nous expliquer quelque chose que nous allons peut-être voir dans la prochaine vidéo. Si nous arrivons à traiter cette vidéo, elle apparaîtra ici, vous allez voir. Cet homme-là nous ramène même sur le lieu d'enterrement de cette star et nous explique mieux pourquoi son corps a été déterré et pourquoi cette cérémonie grandiose dans le stade. Cette personne-là va dire que cette veillée qui a eu lieu au stade, c'était en fait genre comme une cérémonie rituelle. C'était en fait comme une cérémonie rituelle. Et que même le corps de ces stars a été utilisé pour des cérémonies, genre des pratiques occultes et tout de ce genre. C'est ce que cette personne a été dit. Elle a été dit. Ah! Et elle va même plus loin pour nous dire que les enfants, ceux qui ont déterré le corps là, ce sont des victimes. En fait, ce sont des victimes de la manipulation spirituelle ou l'envoûtement qui a eu lieu lors de la cérémonie qui s'est tenue même le même samedi, la nuit du samedi là. C'est-à-dire, pourquoi la nuit du samedi? Pourquoi organiser cette veille là la nuit du samedi? C'est parce que, sans doute, il a dit que c'est parce que ça a une signification dans le monde là-bas. Il va donner plus de précision, si tout est bien, vous verrez cette vidéo ici. Lui-même sera là en train de parler. Et il va nous dire que le corps là, en question là, c'était un corps qui était précieux. Pour certaines personnes qui voulaient juste en tirer des pouvoirs occultes pour leur permettre d'avoir trois choses, si je me souviens bien, il a dit pour leur permettre d'avoir l'argent et puis avoir une puissance sexuelle. Il a dit après quand ils font la cérémonie, ils font des prières mystiques sur le corps, c'est pour soutirer de là une puissance. Une puissance qui va leur donner de l'argent, qui va leur donner une puissance sexuelle, et puis le pouvoir de manipuler la masse. Du
champ, de contrôler le champ. Et une fois que c'est fait, tout ce que eux vont demander aux gens de faire, c'est ce que les gens seront en train de faire. Ah! Jean pour dire que comme il y a des élections qui arrivent, donc il doit faire un truc, ceci et cela, juste pour que ça, il puisse juste contrôler les gens. Juste contrôler les gens et amener les gens à les soutenir, quoi. Hey! Ça, ce sont des graves révélations. Je ne vais pas l'accuser les gens comme ça. Et cet homme est sérieux de ce qu'il a été dit. Il est sérieux de ce qu'il a été dit. Il est même sérieux. Donc, il dit que finalement, le corps qui a été déterré, là, ça faisait partie de leur manipulation spirituelle. Il fallait que le corps soit déterré pour que ça accomplisse leur rituel. Mais ça n'a pas marché dans la mesure où, au lieu que les gens les aiment, les gens sont même toujours en train de parler et ils sont mécontents du fait que leur star est disparu. Le fait que les gens sont en train de parler beaucoup, 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 là, au fur et à mesure, les gens parlent, ça gâte un peu leur pouvoir. C'est pourquoi, à un moment donné, ils ont demandé à certaines personnes de la justice de venir du genre fermer la bouche à tous ceux qui parlent. Ah, tout ce qu'il a dit, nous vous racontons ici. Ça m'étonne. Dis à ton ami qu'à côté, ça m'étonne. Dis à ta soeur qu'à côté, ça m'étonne. Dis à ton frère qu'à côté, ça m'étonne. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Est-ce qu'une personne peut juste venir se lever et puis raconter des histoires? C'est possible. Si toi tu as des ennemis, tes ennemis peuvent raconter des histoires. Mais comme tu sais, y a pas de, comme vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pourquoi nous analysons toujours. Pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Parce que jusqu'à présent, je vous dis, une chose est claire dans l'esprit des gens, même de tout le monde. Une chose est claire, c'est que cette star n'est pas décidée de façon naturelle. Cette star n'est pas décidée de façon naturelle. Nous savons ici que dans la sorcellerie, on peut tuer quelqu'un en esprit et provoquer sa mort sous forme d'un accident ou d'une maladie dans la vie réelle pour que les gens aient la pensée vers l'accident. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un travail qui a été fait, déjà fait dans le monde des esprits, peut-être même un mois avant. Oui, déjà, il y a des gens qui sont déjà morts, hein, mais qui sont en train de marcher dans la rue comme ça. Genre, le gars, lui, il est mort en esprit. Et lui-même, il est déjà mort. Et les sorciers ont même programmé le jour de son décès, comme il va mourir. Ils peuvent dire qu'il va mourir par épilepsie, il va tomber, et les gens vont venir se mettre autour de lui. Et les gens vont commencer à dire, ah, comme il n'y a pas assez d'air qui est passé pour que ça puisse entrer dans son poumon, tout ça, c'est pourquoi cette personne est partie, et ils vont accuser l'épilepsie, ou bien ceci et cela, ou bien les pompiers ne sont pas vite venus, ou bien des trucs pareils. Mes frères et sœurs, une chose est claire, c'est qu'il y a des choses bizarres qui ont lieu même sous nos yeux, et on ne comprend pas. Ainsi, la disparition de cette star venait pour faire sortir tout ce qui est caché, tout ce qui est caché. Vous savez que quand la fin de quelqu'un arrive, là, quand Dieu doit dévoiler des gens qui font des trucs bizarres, là, que ce soit ce qu'ils font, ça n'arrête pas les gens de parler. Que ce soit ce qu'ils font, ça n'arrête pas les gens d'avancer dans leur recherche, dans leur quête de la vérité. C'est comme si les gens même deviennent de plus en plus assoiffés même de la vérité. C'est pourquoi chaque jour, il y a de nouvelles informations qui disparaissent comme ça, qui un peu disparaissent ici. On dit ceci, on dit cela. Comme s'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'homme qui veut révéler des secrets aux gens, pour que les gens puissent juste se réveiller. Hey! Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie la disparition d'une personne qui amène à tant de réflexions, de bavardages, de rumeurs, ou même parce que cette personne était connue. Ah, mes frères et sœurs, il faut faire vraiment très 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 attention. Déjà, vous devez commencer par analyser cette situation et chercher à savoir ce qui ne va pas réellement.
pendant le temps où les gens sont en train d'analyser la situation, voici deux personnes qui appartiennent à l'équipe de ses staff, c'est-à-dire à son staff, qui sont même en conflit. Ah, a fait de l'argent, 5 millions. 5 millions de diviser les gens. Et tout le monde, les gens sont aussi en train de faire des calculs par rapport à l'argent. Où est parti ceci? Où est parti cela? Pourquoi c'est comme ça? Qui a pris quoi? Qui a pris ceci? Ce qui est sûr. Nous ici, nous vous racontons ce qui se passe. Mais vous vérifiez les informations dans le calme. Vous savez, parfois il y a certaines informations les gens donnent sur les réseaux sociaux. Juste pour faire le buzz, ce n'est pas fondé. Laissez le temps passer avant de prendre position. Tant que vous-même, vous n'avez pas vu de vos propres yeux la chose, là. Ne parlez pas trop rapidement, trop vite. Vous pouvez venir dans la partie commentaires et citer les gens. Ça, faut éviter ça. Soyez tranquille, soyez calme. Et vraiment, veillez sur vos propres vies aussi. On ne sait jamais. Avant de sortir de la maison, il faut prier. C'est que si nous allons travailler cette vidéo de cet homme sous forme de témoignage puissant. Il dit des noms. Nous ne voulons pas dire le nom des gens, ça ne sait pas, il n'y a pas tout d'intérêt. L'intérêt pour nous, c'est de vous montrer ce qui se passe et en quoi ça peut avoir une influence sur vous, même sur vos futurs enfants. On ne sait jamais. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo. Abonnez-vous également sur notre chaîne. Quelques chiens sont malades. Ça n'a pas d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne. Il y a un bon 2, il y a un bon 3. Et il y a un suivi. Et activez la cloche à chaque fois. C'est parti pour la prochaine vidéo. Nous cherchons toujours.